super machine, lourde, énorme et solide. Elle passe partout, même dans les grands trous. Super machine, pour tirer, pour lever ou pour voler. Construire une tour qui monte dans le ciel, pour les travaux légers ou industriels. Super machine. Des moteurs, des avions et des remorqueurs, des sons qui impressionneront toutes les filles et les garçons. Super machine, lourde, énorme et solide, elle passe partout, mais dans les grands trous. Super machine, nous aider à bien travailler. Super machine. C'est mon anniversaire, oui, c'est mon anniversaire, oh, c'est mon anniversaire. Eh oui, les amis, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Mais le jour de l'anniversaire d'un gros camion comme moi n'est pas comme votre anniversaire. Aujourd'hui, c'est le jour où on m'a assemblé. Alors, pourquoi ne pas venir avec moi voir comment on assemble un camion ? C'est ici qu'on fait le travail. C'est une usine d'assemblage de camions. Un endroit très occupé. Les pièces arrivent de plusieurs usines et c'est ici qu'on les met ensemble. Il faut un grand nombre de personnes et de machines pour assembler un camion. Au début, j'étais formé de longs rails d'acier qu'on a boulonnés ensemble pour construire mon châssis. Les amis, ces rails sont comme mon squelette. Ça, c'est le treuil du basculeur de châssis. Lorsqu'on commence à travailler à un châssis, on le renverse pour faciliter la tâche. Mais maintenant, il faut le remettre dans le bon sens. On le fixe à la machine et on le bascule. À présent, ce sera plus facile de travailler. Ça ne ressemble pas du tout à un camion, n'est-ce pas? Ah, mais attendez un instant. Le basculeur de châssis va le déposer sur ses chariots. Les chariots sont importants dans la construction d'un camion. Ce sont des plateformes munies de roulettes. Ils servent à déplacer le châssis. Maintenant, voici l'essieu arrière. On va le relier au châssis, alors on doit le soulever. Ces trucs ronds sont les roues motrices. Une fois qu'on les relie au moteur et qu'on les équipe de pneus, les roues motrices font avancer le camion. On la baisse. Exactement au bon endroit. Il faut boulonner cet essieu au châssis pour qu'il soit bien solide. Vous voyez tous ces outils électriques? C'est ce qui permet de serrer les boulons. Ils peuvent serrer les boulons beaucoup plus fort qu'une personne utilisant un outil à main. Ok, ok. Enlevez-vous du chemin. Laissez-moi soulever ce châssis et le mettre sur la chaîne de montage. Et hop! Wow! Ce châssis avec l'essieu est pas mal lourd! Je vais le porter là-bas. Il va faire un bout de chemin sur la chaîne de montage principale qui fait tout le tour de l'usine. Aidez-moi à le placer sur ses supports. Faut trouver la bonne position. Ça y est, super.
Cette chaîne n'arrêtera pas avant d'avoir fini l'assemblage de ce camion. Regardez toutes ces pièces, ces câbles et ces fils. On a presque fini avec les châssis. Il ne reste plus que la couche de peinture. On peint ce châssis au pistolet. Je me souviens quand j'étais à sa place. On doit peindre le châssis dans les moindres détails pour prévenir la rouille. Regardez la combinaison que porte cet homme. Elle le protège contre les vapeurs de peinture. La chaîne fait avancer le châssis tranquillement dans la cabine de peinture et le four de séchage. Oh, je me souviens quand j'étais là, moi, comme il faisait chaud là-dedans. Ce châssis est prêt à recevoir son moteur. On le trouve dans une autre partie de l'usine. On vient de recevoir une nouvelle expédition de moteurs. Ils viennent d'une autre usine. Je vais déposer celui-ci avec tous les autres. Qu'ils ont l'air jolis, tous ces moteurs rangés un à côté de l'autre. Joli. C'est pas un mot pour décrire un moteur. On dirait plutôt puissant, robuste, fiable. Sans moteur, un camion ne peut aller nulle part. Ça, c'est la transmission qu'on relie au moteur. La transmission à toutes les vitesses qui permettent au camion de rouler vite ou lentement. On doit la poser au bon endroit. Il faut bien serrer ses boulons, les gars. Parfait. Tous ces moteurs avancent sur leur propre chaîne de montage. C'est ici qu'on pose toutes leurs pièces. Voici le ventilateur. Oh, je me souviens quand j'ai eu le mien. C'était comme une bouffée d'air frais. Il faut serrer les écrous. Il y a toutes sortes de tuyaux et de brides et d'autres petites pièces qu'on doit poser pour que ces moteurs puissent fonctionner. Voilà le radiateur. Savez-vous à quoi il sert? À refroidir le moteur lorsque le camion roule sur l'autoroute. Regardez comme les pièces s'emboîtent les unes dans les autres à la manière des pièces d'un casse-tête. N'est-ce pas merveilleux? Maintenant qu'on a fini d'assembler le moteur, il est temps de le poser sur son châssis. Oh, voilà le palan de moteur. Enlevez-vous du chemin. Je dois faire mon travail. J'ai mon propre rail installé au plafond. Mes yeux sont des capteurs, alors je sais exactement où arrêter. J'abaisse mon appareil. On met la chaîne sur le moteur et on s'assure qu'il est solidement en place. Je peux lever ce super gros moteur dans les airs. Attention! Tenez-vous à distance. On passe avec un article lourd. Merci. Je prends la relève. Je connais le chemin. Tenez-vous à distance. Préparez la voie. On passe avec un moteur. Ce moteur va dans le châssis qui se trouve juste là-bas. Il faut être habile, les amis.
Je dois poser le moteur dans le châssis pendant qu'il avance sur la chaîne de montage. Voici la partie compliquée. J'abaisse mon appareil doucement. Parfait. Il doit être exactement au bon endroit. Les gars m'aident à le mettre en position. Oui, c'est ça. Merci, les gars. Faites vite, le prochain s'en vient. Regardez-les aller. Je les ai bien formés. Ils peuvent faire leur travail en deux temps, trois mouvements. On doit faire beaucoup de choses pour assembler un camion. Il faut serrer les boulons, poser des pièces. Chacun a son boulot. Allez les gars, le prochain arrive! Voyez-vous le camion qui avance sur la chaîne pendant qu'on y travaille? Waouh! Ces travailleurs sont ultra rapides aujourd'hui. Ça, c'est le réservoir d'essence. Il y en a un de chaque côté. Et hop! On l'a bloqué solidement en place. Ah, les batteries. Un camion comme moi a besoin de 3 batteries. Mais vous savez, cette machine ne ressemble toujours pas à un camion. Le châssis a besoin d'une cabine. Ah, je savais que les cabines se trouvaient ici quelque part. Oh, mais regardez comme celle-là est fade. Il lui faut une couche de peinture fraîche. Attendez de voir les peindre. Bleu, 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 bleu. Le rouge. J'adore le rouge. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas. En haut. En bas, as-tu fini de ton côté? Non. Toi, as-tu fini? J'ai de l'avance sur toi. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Raté ton coup à une place. Je ne peux pas rater mon coup. On a presque fini de peindre cette cabine. Il reste juste l'arrière. J'adore peindre l'arrière. Bien. Qu'est-ce qui est bien? Le travail de peinture. On est imbattable. Un autre travail spectaculaire. Bien sûr, il a été fait par des robots. J'ai fini. Moi aussi. Quelle couleur vient après? Le bleu. Oh, super. J'adore le bleu. Ces peintres peuvent appliquer toutes les couleurs imaginables. Je me souviens quand moi, on m'a peint, ça chatouillait. Voici la chaîne de montage des cabines de camions. Maintenant, vous aurez la chance de voir toutes les différentes choses qu'on installe dans les cabines. Celle-là doit être une des grandes cabines parce qu'elle reçoit un réfrigérateur. J'ai eu le mien ce matin.
Ce n'est pas très commode. Alors, on utilise cet appareil de levage pour l'installer. Ce bras s'allonge jusqu'à l'intérieur de la cabine. Certaines cabines sont si grandes qu'elles ont de la place pour un lit. Les chauffeurs qui font de longs voyages ont besoin d'un lit pour dormir et d'un réfrigérateur pour garder leur nourriture au frais. J'ai un matelas exactement comme celui-là. Voici le tableau de bord. Regardez tous ces boutons et ces commandes. Moi aussi, j'ai beaucoup de boutons sur mon tableau de bord. Il convient parfaitement. Il faut faire un bon câblage. Les fils de couleur aident à garder les choses organisées. Attendez de voir ça, les amis. C'est le pare-brise. L'appareil de levage a des ventouses pour ramasser le pare-brise sans égratigner le verre. On doit le poser à un endroit bien précis. Maintenant, le camion peut voir. On utilise des brides et du ruban adhésif pour tenir le pare-brise en place jusqu'à ce que la colle sèche. Maintenant, on passe aux vitres de portière. Chaque vitre s'insère dans une rainure dans la portière pour qu'elle puisse monter et descendre. Voici les grands rétroviseurs extérieurs. Ces vis les tiennent en place. Les cabines commencent à bien paraître. On fait la pose de toutes les différentes pièces à mesure qu'elles avancent sur la chaîne de montage. Ne trouvez-vous pas qu'elles avancent comme si elles étaient dans une parade? La chaîne de montage continue. Les cabines arrivent à la fin du parcours. On va maintenant les réunir avec les châssis. Voici le palan de cabine. Bon, cabine. Tu viens faire une balade avec moi? Attention, je ne veux pas accrocher le chariot. Je dois me mettre en file avec les autres cabines. On part? C'est amusant. Tenez-vous à distance. On passe! Cabine toute neuve ici. Les amis, vous vous souvenez des châssis qu'on a reliés au moteur? On va réunir ces cabines avec leurs châssis sur la chaîne de montage. Allez, dépêchez-vous! On arrive! Dès que je tourne le coin, je vais pouvoir poser cette cabine sur son châssis. Tout est organisé de manière à ce que le bon châssis et moteur soient placés avec la bonne cabine. Je vais installer cette cabine rouge sur ce châssis juste ici. On la baisse. Doucement. Parfait. Un petit coup de marteau et le tour est joué. «
Maintenant, on peut voir que c'est un camion. Mes bras sont libres comme le vent. Merci beaucoup. Je vais aller chercher une autre cabine. Je reviens tout de suite. Faites de la place, faites de la place. Je passe, on a besoin d'autres sièges. Il n'en reste que quelques-uns. J'arrive avec des sièges. Ôtez-vous de mon chemin. Je suis la machine à lever les sièges. C'est mon boulot. Une cabine doit avoir un siège, n'est-ce pas? Mon long bras m'est très pratique. Ça, c'est le siège du conducteur. Il suffit d'utiliser ses commandes pour me faire fonctionner. Je suis très consciencieux dans mon travail. Je ne veux surtout pas égratigner une couche de peinture fraîche. Voilà, c'est fait. Où est le prochain camion? Je l'attends avec le prochain siège. Je t'ai eu. Viens ici, toi. Maintenant, il y a le volant. Chaque camion doit avoir un volant. Serrez-le comme il faut. Vous savez, c'est pas mal excitant. L'assemblage de ces camions tire à sa fin. Mais ils n'ont pas encore de pneus. Ah, les voici. Avancez. On soulève chaque pneu. Puis on le monte sur les boulons de l'essieu. Cette machine-là serre les écrous de roue. Chaque pneu a 10 écrous et la machine en serre 5 à la fois. Pouvez-vous le croire? 5 à la fois! Les roues motrices ont des paires de pneus pour mieux adhérer à la route. Un peu d'essence. On va en avoir besoin bientôt. Avez-vous entendu ça? Ils vont faire démarrer le moteur. Il est en marche. Fantastique. Ils vont faire quelques essais. Les phares anti-brouillard fonctionnent. Les feux de signalisation. Les essuie-glaces. Les roues tournent, alors il n'y a pas de problème avec la direction. Tout fonctionne numéro un. Le travail d'assemblage est presque terminé. Tout ce qu'il faut, c'est le capot. Le voici. Cette machine soulève le capot comme s'il était aussi léger qu'une plume. Ils n'ont qu'à le mettre en place. Vous voyez, on a soulevé le capot à l'aide de ventouses. Lorsqu'on va les enlever, elles ne laisseront aucune trace. Il y a des machines pour faire absolument tout dans cette usine d'assemblage de camions.
on boulonne le pare-choc avant. Un camion qui circule sur l'autoroute doit avoir un pare-choc. Et il est décoratif aussi. La calandre lui donne un beau grand sourire. On a fini. Le camion est tout beau et prêt à rouler. C'est ici que vous m'avez rencontré, alors que j'arrivais à la fin de la chaîne de montage. Je vous ai dit que c'était mon anniversaire, pas vrai? J'ai une couche de peinture fraîche, mon chrome reluit et mon moteur ronronne. Je suis prêt à prendre la route. Hé, Grand Roux, c'est ton anniversaire aussi. Mais oui! Moi aussi, je viens de terminer le parcours. Bon anniversaire! Eh bien, les amis, je parais que vous n'êtes jamais allés à une fête d'anniversaire comme celle-ci. Maintenant, c'est le temps de prendre la route. Au plaisir de vous voir sur la route! Super machine, lourde, énorme et solide. Elle passe partout, même dans les grands trous. Super machine, pour tirer, pour lever ou pour voler. Construire une tour qui monte dans le ciel, pour les travaux légers ou industriels. Super machine, des moteurs, des avions et des remorqueurs. Des sons qui impressionneront toutes les filles et les garçons. Super machine, lourde, énorme et solide. Elle passe partout, mais dans les grands trous. Super machine, nous aider à bien travailler. Super machine.